Au loin dans le temps, très loin d'ici, la planète Nouveau-Texas flotte aux confins de l'infini. Ciel puissant où brillent trois soleils, roches de kérium pour lesquelles on se bat. Un jour, un justicier sur son cheval apparaît. Protecteur de la paix, héros venu d'ailleurs, champion de justice, Marshall Bravstar. Bravstar, l'œil du faucon, l'oreille du loup. Bravstar, face de l'ours, vite et je suis pas. Normalement, je devrais plus être très loin. C'est bien lui et il a le cristal. Le cristal qui indique l'emplacement de la mine perdue. Cette mine est la plus grande réserve de kérium du Nouveau-Texas. Ah oui! Et dans très peu de temps, elle sera entièrement à nous. Pourquoi Fuzz a pris tous ses bagages? On ne va pas rester là-bas plus de 2 jours. Tu as vu comme tu es chargé. Ce sont des cadeaux pour tous mes amis du peuple de la prairie. J'en ai rapporté à tout le monde. La prochaine fois, essaie de penser à des cadeaux plus petits, tu vas bien. Mais pourquoi on s'arrête comme ça? Regarde ce nuage de sable là-bas. Il doit sûrement se passer quelque chose. À moi, l'œil du faucon! On y va. Cela est très curieux. Je me demande pourquoi ces robots ont attaqué ce prospecteur. C'est très... Attention! Oh. Bravstar, viens voir! Ce malheureux est gravement blessé. Le peuple de la prairie vit tout près et il vaut mieux l'emmener avec nous. Là, tu crois pas?
Oui, tu as raison, Fuzz. Rassure-toi, l'ami. On va te sortir de là. Mais qu'est-ce que ça peut bien être, ce truc-là? Ah non, mais c'est pas vrai! Cet imbécile de cheval-robot de Brave Star a trouvé et ramassé le cristal. Mais ça ne se passera pas comme ça. Oh, ça non. Il va bientôt se sentir mieux. Il a seulement besoin de repos. Munchy, tu veilleras sur lui. Tu veux bien? Oh oui, je m'en occuperai bien. Tu peux être tranquille. J'ai trouvé ceci dans le sable. Donne-le-lui à son réveil. Ça doit lui appartenir. Je veux mon trésor, mon cristal. Où il est? Ah, c'est peut-être ça que tu cherches. Ah, tu l'as trouvé. Donne-le-moi, ça m'appartient. Qui es-tu, toi? Et où est-ce que je suis? Ah, oh, t'es ici chez un habitant de la prairie et je m'appelle Munchy. Et toi, tu t'appelles comment? Je ne vois pas en quoi ça t'intéresse de le savoir, mais je m'appelle Jérémia et je m'en vais tout de suite. J'ai des tas de choses à faire. Oh, tu as mal. Tu sais, t'es pas encore guéri. Mais t'es aveugle. C'est vrai, mais je me débrouille très bien comme ça. Mais je ne comprends pas. Comment tu fais sans y voir? Mais c'est facile, je me sers de mes mains, de mes oreilles et aussi de mon nez. Mais je me sers surtout beaucoup de mon intuition. Écoute, même si je ne te vois pas vraiment, eh ben je peux te dire que t'es sûrement très nerveux et malheureux comme tout. Maintenant, je crois qu'il faut nous débarrasser du Marshall en l'envoyant ailleurs. Comme ça, il laissera Jérémia seul avec le peuple de la prairie. Ça, c'est une excellente idée. Et je sais comment l'éloigner de là. C'est très facile. Tu iras attaquer la diligence. Je suis content de voir que tu vas beaucoup mieux. Tu vas peut-être pouvoir répondre à mes questions, alors. Écoute-moi bien, toi. J'ai déjà raconté toute mon histoire à ton ami. Je m'appelle Jérémia et je vis dans le désert tout seul. Tout seul? Qu'est-ce que c'est triste de vivre seul. Pas pour moi, c'est une vraie joie. Au moins, personne ne m'embête avec des questions idiotes. La diligence ne va pas tarder à se montrer. Dès que tu l'auras attaqué, Brave Star sera immédiatement prévenu. Et il se dépêchera de quitter le peuple de la prairie pour venir à son secours. Et ce sera à moi de jouer. Alors, tu ne sais vraiment pas pourquoi ces robots t'ont attaqué? Non, j'en sais rien. Mais pourquoi est-ce que j'ai la curieuse sensation que tu ne dis pas tout ce que tu sais? Mais j'ai dit tout ce que je savais, Marshall. Je ne sais pas ce que j'aurais pu dire de plus. Marshall Brave Star, c'est Molly. Tu m'entends, Brave Star? J'ai besoin de secours d'urgence. La diligence est attaquée. Yahoo! Je me trouve sur la route de Plarenda. J'approche du Rocher Rouge. Correction, non, c'est plus ça. Y a plus de Rocher Rouge. Tiens bon, Molly, on arrive immédiatement. Je me demande pourquoi la diligence est attaquée aujourd'hui. Elle ne transporte rien de précieux. Tu as raison, 30-30, c'est vrai, mais on va le savoir tout de suite. Oh,
Je l'avais deviné. J'étais sûr que le Marshal Bravestar s'éloignerait pour porter secours à la diligence. Bon, je vais aller voir si je peux avoir une petite conversation avec ce Jérémiah. Peut-être que je pourrais le persuader de partager ce fameux trésor avec moi. Espèce de vermine, tu oses t'attaquer à moi ? Tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais je n'ai pas peur. Qu'est-ce que tu crois, Molly ? Ça ne se passera pas comme ça. Ah oui, tu crois ça ? Oui, te voilà, toi. Te voilà enfin, Marshal Bravestar. Je t'attendais, tu vois. Mais c'est pourtant raté. Ah et oh. Tu es réveillé, Jérémiah. Je t'ai apporté à manger. Mais comment est-ce que tu fais pour te diriger aussi facilement? Ah, c'est vraiment pas compliqué. Je suis né ici et j'y ai vécu toute ma vie. Mais tu n'es pas trop malheureux de ne pas voir ce qu'il y a autour de toi? Mais j'ai des amis, une famille et des gens qui m'aiment. C'est bien suffisant pour être heureux, hein? Les amis, ça compte pas. Dans la vie, il faut savoir se débrouiller tout seul. Et c'est justement ce que je m'apprêtais à faire. Avant que je me retrouve coincé chez votre fils du peuple de la prairie. Oh, attends, j'ai une idée. Ah, je suis sûre que tu vas être contente. Non, 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 ne dis rien. Cette turbomule est depuis trop longtemps, c'est nous. Maintenant, je te la donne. Ah oui, mais enfin, pourquoi moi? C'est une idée de Munchy. Eh bien, c'est parce que tu es très malheureux et puis parce que tu as dit que tu étais coincé ici. Et maintenant, tu peux partir prospecter quand tu en auras envie. Je suis vraiment touché. Jamais personne n'avait été gentil comme ça avec moi. Alerte, on nous attaque, alerte. Oh, il faut prévenir tout de suite Bravestar. The Phil. Oh non, non, pitié, aidez-moi. Ah non, personne ne viendra t'aider, ne crie pas, ça n'est pas la peine. Donne-moi donc le cristal, et vite. Mais c'est la seule chose qui me reste. Eh bien, alors regarde ce qui va arriver à ton nouvel ami si tu refuses. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ne le touche pas! Bon, d'accord, c'est bon, je te donne tout de suite mon cristal. Mais surtout, ne touche pas à mon ami! Tu as choisi la bonne solution, Jérémiah. Ah oui, c'est un très beau geste de ta part. On s'en va. On n'a plus rien à faire ici. Tu sais qu'il commence à me fatiguer, celui-là. Tu te traînes, on dirait, mon cher Pape. Bon, on va lui régler son compte tout de suite. À moi, la force de l'ours. Descends de là, tout de suite! Regarde!
C'est le signal de détresse. Il se passe quelque chose. Eh bien, voilà l'explication. Notre cher ami avait pour mission de nous éloigner du peuple de la prairie. Mets les menottes à cette vermine. On reviendra le chercher un peu plus tard pour l'enfermer. Je ne sais pas comment un Timidor a pu savoir que j'avais le cristal, Marshall. Cette pierre détient le secret de la mine perdue. Elle indique son emplacement et j'ai passé toute ma vie à la recherche de ce fabuleux trésor. Le secret de la mine perdue. Waouh, cette mine est la plus grande réserve de thorium pur de tout le pays. Oui, mais ce fameux cristal était mon unique chance. Je ne trouverai jamais la mine sans lui. Jérémia, tu as pourtant donné ton cristal pour me sauver des robots des sables. Merci beaucoup. Tu es un véritable ami. Ne me remercie pas, petit. Tu as été un très bon ami aussi. Sûrement le meilleur que je n'ai jamais eu. On va essayer de faire quelque chose pour Jérémia. On va retrouver un Timidor et on le forcera à nous rendre le cristal. Maintenant, je vais savoir où se trouve ce trésor. Je suis presque arrivé. La mine ne doit plus être très loin. La voilà! Et voilà l'entrée. J'ai retrouvé la mine perdue. Elle est à moi. Non, pas vraiment, vois-tu? Le cristal qui t'a amené jusqu'ici appartenait à quelqu'un d'autre. Moi, j'appelle ça du vol. Rengaine tes sornettes. Mais en attendant, moi, j'ai quelque chose pour toi. Et j'appelle ça une tornade. Et maintenant, à votre tour. Ah, lui au moins, on peut dire qu'il ne manque pas d'air. C'est la seule issue, mais c'est vraiment très très haut. Voilà. À moi, la force de l'ours. Bon, ça devrait réussir. Il faut que je sorte avant qu'un Timidor s'empare du trésor. Maintenant que je reste tout seul, personne ne m'empêchera de prendre ce trésor. On va vite savoir si j'ai bien calculé. Ah ! Ah ! Le trésor est à moi. Non ! Toi qui adores le sable, tu dois te sentir très bien là-dessous, non? Alors reste-y jusqu'à ce que 30-30 vienne te passer les menottes. Oh, je pensais pas en voir autant. Regardez tout ce qu'il y a. Est-ce que tu es content maintenant que tu l'as trouvé? Oh ben oui, merci beaucoup, je suis heureux. Merci, merci beaucoup. Il est tout à toi. Tu peux être tranquille, va. Tu es le seul propriétaire de la mine. Tu deviens maintenant l'homme le plus riche du Nouveau-Texas. Oh oui, de loin. C'est drôle. J'ai toujours cru que devenir riche, c'était mon plus grand souhait.
Mais depuis que je connais Munchy et le peuple de la prairie, je pense différemment. Je pense que l'amitié est plus importante que tout. Je crois qu'on peut lui dire. Oh, Jérémia, Jérémia, le chef a dit que tu pouvais rester vivre avec nous, si tu veux bien. Quoi ? Vous voulez dire que je peux habiter ici avec vous ? Mais pourquoi ? Parce que j'ai besoin de toi, et t'as besoin de moi, alors ça serait bien si tu pouvais être mes yeux, et moi, je t'apprendrai à écouter parler ton cœur. Oh, je vous remercie tous. Oh oui, oui, je suis d'accord. Mais à une condition. Oh oui, laquelle ? Que ce trésor soit transporté chez vous et qu'il y reste pour toujours. C'est un cadeau pour toi et le peuple de la prairie, en témoignage de l'amitié que je vous porte. Oh, ça alors, c'est pas croyable, il est heureux. Je ne comprends plus. Ça fait des années que Jérémia cherchait ce trésor, et voilà que maintenant il n'en veut plus. Oui, mais il a trouvé quelque chose de beaucoup plus important que le Kyrium du Nouveau Texas. L'amour d'une famille. Et c'est le plus grand trésor qui existe. Tu peux me croire, Tantra. Dans notre aventure d'aujourd'hui, Jérémia a compris qu'il existait un trésor beaucoup plus important que le Kyrium. Il a découvert l'amitié et compris que rien ne valait un bon ami. Il a été tellement surpris par la gentillesse du peuple de la prairie qu'il en a été ému. Une véritable amitié doit être partagée par les deux personnes concernées. Ça doit être réciproque, bien évidemment. Et si vous désirez un bon ami, vous devez en être un vous aussi. Votre ami Bravestar vous dit au revoir et à bientôt.